Regarde ça, le combat entre dragons! C'est trop stylé! Je contrôle un dragon! Et on fight un autre dragon! Yo! C'est le capitaine, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour entraîner l'Under Dragon dans Minecraft. Et oui, tu vas kiffer. Franchement, fais-moi plaisir. Si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. C'est très important. Et bien sûr, reste jusqu'à la fin. C'est parti! Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure! Aujourd'hui, l'objectif est très simple. Entraîner l'Under Dragon. Je t'explique comment est-ce qu'on va faire ça. Notre premier objectif, c'est récupérer du diamant. C'est obligatoire. Pour entraîner le dragon, il faut du diamant, d'accord? Une fois qu'on aura du diamant, on va pouvoir fabriquer un objet spécial qui nous aidera à dompter le dragon. Ok? Allez, c'est parti, l'aventure commence. On va commencer par du bois. Tu remarques dans mon inventaire, j'ai trois trucs. Une pioche spéciale, que normalement tu reconnais. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir obtenir l'objet spécial pour dompter le dragon. Ça, tu verras plus tard à quoi ça sert, c'est très important. Et ça, c'est pour trouver le portail de l'Under. Je donne directement les blocs, enfin les œils. Comme ça, ça va plus vite. Ça évite de farmer les Enderman, c'est plus rapide, ok? On s'autorise juste à se donner ça. Le reste, on va farmer nous-mêmes, ok? Bon, transformation, table craft. Donc là, rush de diamant. Rush de diamant. Donc évidemment, petite pioche des familles. On n'hésite pas également avec l'épée. Ça, ça va être rangé dans un coin. Ça, c'est pas la peine de garder. Je vais casser ça. Donc là, rapido, on va prendre de la bouffe. Et puis, je t'ai dit, voilà, rush diamant. Un seul diamant, c'est bon. Juste un diamant. Et tu vas voir. Tu vas voir comment c'est incroyable. Tu vas kiffer. T'as jamais vu ça. Reste bien jusqu'à la fin, bien sûr, pour ne pas manquer cette vidéo incroyable. Ce serait dommage que tu manques des trucs de fou, non? Alors, c'est quoi le poulet? On va pas garder. Bon, les flèches, on va garder parce que. Ah non, mais même pas. Tu vas voir pourquoi. On n'aura même pas besoin de flèches aujourd'hui. Bah non, parce qu'aujourd'hui, le dragon va être notre pote. Donc, t'inquiète pas que. On n'aura pas besoin de flèches pour tuer le dragon. Enfin, il y aura un combat final, tu vas voir, entre deux dragons. Plus tard, enfin tu verras, il y a plein de trucs cool dans cette vidéo qui sont prévus. Bon là je prends de la bouffe tranquille, tu vois. Salut petit cochon, donne ta bouffe, merci. On est dans une magnifique plaine, très très jolie plaine. D'ailleurs j'ai pas fabriqué de hache, fabriqué une petite hache des familles. Donc comme je t'ai dit aujourd'hui c'est un rush dragon, c'est un rush diamant puis rush dragon. Donc là l'objectif c'est de foncer dans les mines, trouver du diams rapido. Juste un diamant, c'est même pas la peine de se stuff diams, on veut juste un diamant, tu vas comprendre pourquoi. Ça nous servira à améliorer cette pioche. On doit l'améliorer pour avoir item dompteur de dragon. Item de fou hein, d'ailleurs au passage. Alors salut. Donc là je t'explique, on va rush les mines très rapidement. Déjà je prends juste un peu de bouffe avant d'aller miner parce qu'on va pas remonter avant un moment. Et je vais avoir faim là-bas, en bas. Donc je t'avoue, on va anticiper ce genre de besoin. Voilà, parfait. Très bien. Hop là. Là, il y a une cascade improvisée, pourquoi pas. On a 20 steaks. 21 maintenant. 22. Je vois de la pierre là-bas. Donc il y avait plein de cochons dans cette plaine. Alors, regarde. C'est un festin là, c'est une invitation, c'est un buffet à volonté là. Alors, combien de bois j'ai? 30, ah, c'est pas assez pour éliminer ça. On va en prendre plus que ça. Casser du bois ici. Bon, je vais rapidement aller chercher de la pierre, t'inquiète pas, c'est prévu. Juste avant, on fait un peu le ménage là parce que là il y a plein de mobs. Ok, on va prendre la hache, tu sais quoi? Parce que la hache ça fait mal. On en a un point 18. La hache, tu sais quoi? Ça fait super mal. Et ça c'est cool. Alors, ça se présente vraiment pas mal. Maintenant je veux de la pierre un peu. On a 39 steaks, ça devrait être pas mal pour la route. Il y a une petite zone qui descend ici. Après c'est pas facile d'accès. Tiens, regarde, ça a l'air plus simple par là-bas. Là, ça a l'air très bien là-bas. On va aller voir là-bas. Hop, il y a un accès magnifique ici. On va fabriquer une mini plateforme pour descendre. Voilà. Alors, il y a de la pierre ici. C'est très bien. On va poser la table de craft. J'entends des squelettes. Ah, mais c'est trop cool cette mine là. Alors, on va prendre un peu de pierre direct. Voilà. Sans hésiter. Comme c'est un rush, la pioche en pierre direct. Hop, ça va nous faire gagner du temps. En deuxième position, je vais apprendre de la pierre. Voilà. Donc là, c'est un rush diamant. Dès qu'on a du diams, tu vas voir. Les choses vont devenir super cool. D'ailleurs, tu remarques que j'ai très faim. On va mettre la bouffe au four. Il faut que je mange. Mais juste avant, quelques outils en pierre. Alors, c'est parti. Bon, déjà un four pour une fois. Hop, ça comme ça. Donc, dans les outils, dans la famille outils, je voudrais. La hache, la pioche est déjà donc. La pelle, l'épée, bon pas de où hein, pour l'instant je t'avoue. On a pris de la bouffe exprès pour ça. Alors j'ai des anciens outils 3 et 4, ok c'est organisé, très bien. J'ai tout en place, juste avant de descendre miner. On va faire un truc assez cool. Déjà je vais prendre un peu plus de pierre, combien de pierre j'ai? Quoi fabriquer un four ou deux, prendre un peu plus de pierre, tu vas voir pourquoi. Mon objectif aujourd'hui il est très simple. Utiliser les fours rapides, parce qu'à chaque fois on oublie. Or c'est très pratique, donc je vais poser ça ici. Utiliser ma hache pour casser un peu de bois. Il en faut 8 bûches. Donc là le bois on va pas le transformer, ok? On va le garder sous forme de bûche. Parce que l'objectif c'est tout simplement d'avoir des fours rapides. Je te remonte le craft si tu as oublié. Donc il te faut des fours déjà. Voilà. Tu mets tes fours ici, tu prends ton bois et tu mets ton bois comme ça. Regarde, tu as hop tout simplement tes fours rapides à nourriture. On va les poser vite fait. Je sais pas si on les pose maintenant ou si on part miner. On va les poser en allant miner. Combien de bois j'ai? 40, il en faut un peu plus. On va casser un arbre et ça devrait être bon. J'ai toujours dit d'avoir un stack avant d'aller miner. Un stack c'est 64, donc à peu près 64, c'est très bien. Pourquoi est-ce qu'il faut pas miner sans bois? Je sais, je répète à chaque vidéo. Mais comme ça, tu feras pas la bêtise au moins. Au moins tu pourras dire j'ai regardé capitaine, il m'a dit de pas faire ça. Parce que si tu vas miner, dis-moi sans bois. Imagine. Ok, tu vas miner, très bien, t'as ta pioche en pierre. Bon, vas-y, t'as un tout petit peu de bois de réserve, tu fais une pioche en fer. Ok. Imaginons tu casses du diams, ok? T'as plus de bois. Comment tu fais une pioche en diams? Imagine tu casses ta pioche en fer, t'es coincé, tu peux pas remonter, comment tu fais? Bah tu peux pas. Sans bois, t'as pas de pioche, sans bois, t'as pas d'outils. Donc tu ne peux rien faire sans bois dans Minecraft. Donc pense-y. À moins que tu trouves un mineshaft, une mine, mais bon, t'as peu de chance d'en trouver comme ça. Bon, on va poser ça ici, je vais diviser la bouffe. Ah oui, j'ai pas de charbon encore. Alors là, il y a du charbon ici. Ça va être un peu d'escalade, ça va être intéressant. Hop là, petite escalade vite fait. Attends, me dis pas qu'il y a juste un charbon.
charbon là. Bon, c'est pas, on va en retrouver d'autres. Hein. Bon, bah au moins un charbon c'est 8, donc c'est déjà ça. Allez, comme ça on aura un peu de bouffe. En attendant, on va explorer là-bas. J'avais rarement vu des mines comme ça. Ça, c'est les nouvelles mines, c'est trop stylé. Je la débloque dans la deuxième main. Hop, voilà. Bon, je suis pas trop team utiliser la deuxième main. Mais en vrai, c'est pratique. Des fois, il faut dire. Il faut reconnaître que c'est pratique quand même. Hop, voilà. Non. Non, c'est pas la table craft. Bon, on va la chercher. Hein. Je voulais juste fabriquer un pont. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, je vois du charbon, j'avais du fer. Donc, on a déjà une super mine ici, tu remarques. Ça fait plaisir. Il y a encore un charbon. Mais dis donc, mais c'est quoi ça? Un de fer aussi. D'accord. Donc, tout est en un exemplaire aujourd'hui, c'est ça? Non, mais dites-le. Hein. On va prendre du gravier pour. Ah, d'accord, fabriquer quelques flèches. Ah, j'ai dit que je jouais pas arc. Bon, après, bon. J'aurais dû garder les plumes alors. Parce que j'ai jeté mes plumes tout à l'heure. Parce que j'ai dit que je jouais pas arc. Bon, tu sais quoi? J'ai faim. Parle dans le jeu MDR. Enfin, il y a du fer ici. Donc, je vais aller récupérer ce qu'il y a déjà dans le four. Bon, tu remarques qu'on a trouvé du fer assez facilement. Aujourd'hui, il semblerait que le fer ne soit pas un problème dans Minecraft de nos jours. C'était pas le cas au début. Enfin, vraiment, il y a longtemps. Vraiment, à l'époque de ton grand-père, tu vois. Non, je rigole. Pas à ce point là quand même. Ok, il y a du charbon là-haut. Donc oui, hein, je fais un peu mes courses là, hein, t'as remarqué. Alors là, ça risque de tomber. Ouais, ça va. J'allais dire, ça peut être dangereux, mais ça va, ça va. Le jeu a été sympa. Bon, je te rappelle, c'est un rush diamant. Donc on va descendre très vite, très très vite au niveau du diams. On n'est pas là pour perdre du temps avec les autres trucs. On se met full fer et on descend chercher du diams rapido. Bon, il est temps de manger parce que là, t'as remarqué, on peut pas courir parce qu'on a faim. Et en vrai, flemme d'avoir faim, voilà. Si seulement c'était aussi simple, tu vois. T'as juste à la flemme d'avoir faim, tu manges. Alors, hop, normalement dans le four, ça tombe bien. Il devrait y avoir des steaks. Voilà, enfin on va pouvoir courir. Ah, la liberté de pouvoir courir, enfin. Bon, on va reprendre ça, rapido. Bon, il y a des mobs de l'autre côté. Tu sais quoi, on va aller de l'autre côté par là. Parce qu'on n'est pas allé voir par ici. Et je pense que ça a l'air très intéressant parce que ça a l'air de descendre ici. Alors, en effet, ça descend vraiment pas mal, regarde. Oh, c'est stylé comme descente. Alors là, il y a. Alors, j'hésite. Est-ce que tu devines ce que je vais faire? Laisse mettre un commentaire. Là, tout de suite. Vas-y, essaie de deviner. Alors, tu devines? En vrai, regarde, je voulais juste fabriquer une pioche. Je pense que t'es d'accord avec ça. Ce sera vachement plus rapide et vachement plus sympa. Comme ça, on pourra casser plus vite. Et comme ça, si on tombe sur du diams, pas besoin de faire une pause où on pose le four et tout. On aura directement ce qu'il faut. Voilà, en optimisant. Pour optimiser pendant que le fer est au four, on casse ça. Voilà. Toujours optimisé dans Minecraft, toujours. Et un de fer. Hop, le deuxième. Le troisième arrive, t'inquiète. Casser ça en attendant. Bon, de toute façon, il faudra mettre le reste de la viande au four. Allez, hop là. Bon, le reste flemme. Le reste flemme, ça cuira plus tard. On remettra ça au four. Ok, c'est ce que j'appelle le progrès. Bon, alors, ça descend toujours ici. C'est trop. Oula, regarde. Ça, la giga galerie. Waouh, c'est stylé de fou. Alors attends, c'est ce qu'il nous faut aussi, un saut. Ouais, ça peut nous sauver la vie. Alors je vais descendre comme ça. Est-ce qu'on va voir qu'une descente? Non, reflème, on descend. Waouh, alors c'est stylé ce genre de galerie. Alors j'ai remarqué un truc, ce genre de galerie c'est trop cool. Par contre, les mobs spawnent en permanence, donc faut vraiment faire gaffe à ça. Ce que je te propose, c'est de rush le stuff faire très rapidement, mais vraiment très rapidement. On va poser les fours là, très rapido. On va poser une mini base ici, fabriquer quelques torches pour éclairer. Alors t'es pas autant de torches quand même. Voilà, on va éclairer un petit peu la zone juste là, que je veux pas que ça spawn autour de la base. Tant qu'on puisse être tranquille au niveau de la base quand même. On va mettre les torches dans la deuxième main. On va faire le ménage. Et tu sais quoi? On va fabriquer des fours. Voilà. Et on va poser tous nos fours ici. Voilà. Histoire, tu vois. Tout simplement. Histoire, tu vois. D'avoir tout qui est prêt. Rapido. Voilà. Pour le voyage. Hop, hop. Voilà. Bon. Pendant que tout ça est au four, on va continuer de casser du fer. Ah, il y a un creeper. Salut. Ah, j'ai pas pris mon épée. Tu veux jouer creeper ou pas? Hop là. Attention. Boum. Salut squelette. Oh, il y a du fer ici là. Bah dis donc, c'est qu'il y en a du fer dans cette aventure. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si t'es d'accord avec ça, parce que là on en a plein du fer. Hein. En vrai, mets un pouce bleu si la vidéo te plaît, ça fait toujours plaisir. Creeper. Alors, galerie de fou, on est couche combien? Ça me couche 14. Eh, on est couche 14. Mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diamant est même possiblement dans le coin. Ok, il y a du lapis lazuli, parfait si on veut enchanter. Après, bon, on a pas pris de canne à sucre, donc RIP la table d'enchante. Mais c'est pas grave, on le prend pour l'XP, toujours sympa. Ok. Alors, comment est-ce que ça se passe ici, dites-moi? Au niveau des fours. Hop, ok, il y a du fer qui arrive, ça c'est très bien. La bouffe qui arrive aussi, ça c'est très très bien. J'entends une araignée pousser. Alors, petit plastron, je pense que ce sera mieux. Hop là. On va réarranger quelques nouveaux outils du style plus moderne, tu vois. Du style hache en fer, épée en fer, et tu sais quoi, hop, même la pelle en fer. Voilà. Bon là on est pas mal, manque plus que le plastron, enfin tu sais, le tout simplement, manque plus que le pantalon en fer, les bottes et les casques, on est bon pour chercher du diams. Déjà on va commencer à chercher du diams rapido parce qu'on a la couche du diams, donc il y en a déjà peut-être avec un peu de chance. Par contre je me rends compte qu'on a pas assez de charbon. Bon, on va quand même explorer un petit peu en essayant de pas se perdre. Ouais, parce que les nouvelles galeries Minecraft elles sont très cool hein, mais tu te perds très facilement. Alors, je vois des onzons. Des onzons. Voilà, mais là on remonte. En vrai c'est pas intéressant, on va pas aller par là. Le ménage. Encore du fer ici. Bon au niveau du fer c'est pas mal. Par contre, ce qui est rigolo, et tu vas trouver ça drôle, c'est qu'on a pas assez de charbon là. Comme j'ai fabriqué des torches. Ah mais non, mais c'est immense ces galeries là. Bon, on est couche combien là? Ok, 26. Bon, on va prendre le charbon qui est là, on va redescendre. C'est quoi? On est trop remonté, c'est pas la peine. En fait, c'est pas la peine de miner
ici parce qu'on peut pas trouver de diams. Autant optimiser et trouver du diams direct. Voilà. Bon, ça devrait le faire en vrai. Hein? Non, c'était un piège. The trap! Alors, ça fait Star Wars 6. J'espère que t'as vu quand même. Un classique. Un classique. Alors, salut. Salut, salut. Alors, on est passé par là tout à l'heure. Je me rends compte que j'ai pas de blocs à disposition. Voilà. Si on explorait cette magnifique galerie. Déjà, ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ça non plus. Ça non plus. Bon. Ça non plus d'ailleurs. Ça j'ai déjà ce que je veux avec. Peut-être un arc. Ouais, bon, un arc sans flèche, pas très utile, tu me diras. À ce niveau-là, attends, on va mettre ça ici. Combien de fer on a là? 16, bon, c'est bon, 16, regarde. Le pantalon, les bottes, le casque. Non, mais c'est parfait, c'est parfait. On a tout l'équipement en fer, on va chercher du diable. Ça avance l'aventure, ça avance, c'est très cool. Bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Très bien, très bien, très bien. Bon, j'ai Fak qui arrive ici. Le reste est bon. Un petit arc, tiens. C'est quoi? Hop là. L'arc, c'est bon. Bon, on n'a pas de flèches. Si, on a des flèches avec les squelettes. Ah, si, ça va, ça va. J'ai rien dit, on a un peu de flèches. Je vais reprendre ça pour l'instant, vu qu'il n'y a plus rien à mettre au four ici pour ça. On va prendre le reste des fours. Allez, on va chercher du diams. Il devrait y en avoir très facilement, je t'avoue. On reprendra du fer si besoin. On va jeter ça quand même. Hein. Voilà, ça pareil, ça pareil. Ça pareil, on va pas s'en servir aujourd'hui. Ça non plus. Allez. Explorons. Ah, il y a resté 5 feuilles ici, j'ai même pas vu. Bon, je reprends du fer pour faire joli, mais là, je t'avoue, on en a plein. Ah, pareil. Hop là. Allez, chasse au diamant. Eh, dis donc, mais les galeries comme ça, il y en a combien, là? Bon, on a que 16 de charbon, donc j'en prends un peu plus. Pour une fois. Pour une fois. En général, on en manque pas. Mais là, pour une fois, vu qu'on en a beaucoup utilisé, eh ben, il en faut. Ouais. Bon, il y a des squelettes. Encore du fer. Bon, le fer, on en a vraiment illimité, tu vois. Bon, je vais continuer d'explorer un petit peu, dans les galeries. Encore du fer. Et j'ai trouvé du diamant, je vais te montrer. C'est juste à côté. Juste, je viens de voir le fer aussi. Il y a du diamant, là. Un diamant. Ah ouais, moi je veux bien une pioche en diams, tu sais quoi. Salut. Tiens, à l'attaque. Ok. Moi je veux bien une pioche en diams, donc on va essayer d'en trouver plus quand même. Ah ah. Bon, ça a pris du temps, mais j'en ai trouvé. Ah bah parfait, j'allais dire, il en faut 3 de plus, comme ça on a la pioche plus l'item. Ah, salut zombie. Bon, il faut qu'on remonte à la surface. Ok, on est de retour là-haut, parfait. Alors tu sais quoi, très important, très important. Il nous faut de la laine, comme ça il va faire jour. Bon, c'est plus sympa quand il fait jour. Donc juste là, on va fabriquer un lit très rapido. 3 de. Non, 2 de laine, j'allais dire, ok. Enfin, 3 de laine, mais non, il a donné 2 de laine. Allez, hop, merci. Voilà, comme ça on tue pas les moutons, voilà. On est sympa à nous, tu vois. Bon, je dis ça à chaque fois, on les tue. Pour une fois qu'on les tue pas. Allez, on va dodo. Comme ça, il fait le jour. Et je vais te montrer maintenant à quoi ça servait ce fameux diamant. Bah oui, tu te poses la question depuis le début, pas vrai? Bah regarde, je vais te montrer. Hop, là, regarde. C'est une table d'amélioration. Je mets ça dedans, je mets un diamant dedans. Et regarde, ça passe en plus. Il y a un petit plus, tu vois. C'est la pioche améliorée. Maintenant, cette pioche améliorée, il y a des trucs de fou qui sont possibles. Je vais te montrer. Tu casses ça. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est de la terre. Ouais, de la terre, carrément. Tu vas voir. Maintenant, prépare ça parce que là, le spectacle commence. Et là, tu risques d'être choqué. Ah oui, d'ailleurs, attends, j'ai pas dit, mais je l'avais dit, mais je l'ai pas fabriqué. Plutôt. La pioche en diable, ça. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses, c'est magnifique. Pioche. Alors, je t'explique. Comme je t'ai dit, on a besoin de terre. Regarde, il y a un craft que tu ne connais pas. Si je mets un œil de lander ici et de la terre autour, j'obtiens un bloc barrière. Normalement, tu peux pas. Ça, c'est un bloc invisible. Je vais le mettre, il va disparaître. Tu vois. Ça, je peux le casser avec la nouvelle pioche du futur. Alors, je te montre. Tu as déjà vu cette pioche dans la vidéo? Tu as déjà vu une vidéo qui s'appelle "Je peux casser n'importe quoi"? Sauf que je t'ai pas montré ça dans cette vidéo-là. Bah oui, j'ai gardé quand même une partie secrète. Bah oui, tu crois quoi? Donc là, j'ai ça, tu vois. Grâce à ça, regarde, je vais pouvoir fabriquer un nouveau craft que tu n'as jamais vu dans le jeu. Cette armure ici, ok? C'est une armure en barrière, ok? C'est une dinguerie. Non mais quand je te dis c'est une dinguerie, c'est grâce à ça qu'on va trouver le Stronghold. Donc là où il y a le portail de l'Under Dragon, à la vitesse de la lumière. Mais c'est même pas une blague. Ça va vraiment être à la vitesse de la lumière, tu vas voir. Donc évidemment, il va falloir un peu plus de terre. Ok, j'ai de la terre. Donc comme je te disais, tu connais le craft. Voilà. Bon, il en faut pas autant. Il en faut 8. Voilà. Enfin 9. Et regarde, grâce à ça, El Famoso plastron. Alors, à quoi ça sert ce plastron? Et on va le mettre. Hop. Déjà, il est costaud. Il est plus costaud qu'un plastron diable, on va le garder d'ailleurs. Regarde ce qui se passe quand tu maintiens accroupi pendant 3 secondes. Allez. 1, 2, 3. Le mode spectateur. Et ouais. Alors, ouais. Alors, faut faire gaffe, faut pas réappuyer sur Shift. Attends, je t'en montre. Ok, là, il faut pas toucher Shift en fait. Faut avancer comme ça. Donc là, on a mode spectateur, c'est-à-dire qu'on traverse les blocs, hein, carrément. Non, mais que tu le saches juste, hein. Et si on réappuie sur Shift, on repasse en mode normal. Alors, tu aimes bien à quoi ça sert ça? Bon, c'est stylé, c'est cool, mais à quoi ça sert? Bah, regarde. Si j'utilise l'Under Eye, t'es d'accord, il me donne la direction du Stronghold. S'il part par là, c'est que le Stronghold est par là, ok? Et bah, maintenant que je sais que c'est par là-bas, bah, je passe en game mode spectateur, regarde. Hop. Et je fonce. Et là, pour trouver le Stronghold, juste à foncer, et dès que je le vois apparaître, bah, c'est que c'est bon. Bah oui, parce que je verrai le Stronghold ici. Tu crois quoi? En plus, grâce à ça, ça me permettra de trouver du diamant, parce que je peux explorer ultra facilement la galerie et voir où est le diamant. C'est une dinguerie pure, hein. C'est une dinguerie pure. Alors, on a pas mal marché, je crois que là il a changé de direction. Ah, regardez, il va plus par là, il va par là. Ok, donc le Stronghold est ici. Allez, on utilise notre plastron. 1, 2, 3. C'est quoi la pioche là? Elle est ultra rapide pour casser aussi, je t'ai pas dit. Donc c'est un côté pratique. Regarde, le Stronghold est là. T'as vu? Et c'est stylé de voir Minecraft comme ça. Je te demande pas sur Minecraft comme ça, mais c'est quand même la classe, hein. Donc on va directement aller dans la salle de l'Under Dragon. Tu sais quoi, regarde qui est là-bas. Et on va dompter le dragon, bah oui.
Ça te rappelle qu'on doit, on dope le dragon aujourd'hui, quand t'as pas compris. Hein. Bah oui, y a pas de mytho, hein, tu vas voir, on va vraiment doper le dragon. Alors on arrive ici. Ok, on passe en mode nos bases. Alors, déjà, première chose qu'on pourrait faire, bon, activer le portail, mais juste avant, regarde, ici, il y a des blocs en plus. Et on peut les casser. Normalement, ça se casse pas, hein. Ça, tu peux pas le casser. Et ça, tu arriveras pas. Et c'est cassé, tu arriveras pas. Quoi ça sert ça? Bah regarde, quand je le mets ici. Alors, faut mettre dans une table craft. Regarde, attendez, j'ai pas cassé ça. Voilà. Ok, en fait, il en fallait plus. Il en fallait 9 pour que ça marche. Faut mettre 9 comme ça. Tada! Et ça, c'est quoi? Ça, c'est pour dompter l'Ender Dragon. Tu vas voir. Tu vas voir. Non, mais demande rien. Regarde. Regarde juste. Ok? Allez, on va activer le portail. On passe dans l'End. Et tu vas voir qu'on va fight l'Ender Dragon. Mais comme tu n'as jamais vu un Ender Dragon. Jamais. Parce que là, ça va être un fight entre dragons. Allez, je te spoil un peu. Allez, on y va. Donc là, on y va. Ok. Bon. Jusque-là, tu connais. Là, tu vas me dire, ouais, c'est comme n'importe quel fight de dragon. On arrive. Puis je vais casser les blocs et attaquer. Mais non! Mais non! Mais t'as cru quoi? Alors attends. Ah, mon game spectateur. Bah oui, attends. Beaucoup plus simple. Voilà, je repasse en mode normal. Clique droit. Et là, regarde. Je fais apparaître un Ender Dragon. Et là, je peux le contrôler. Regarde. C'est moi sur le dragon là, regarde, je te montre, comme t'as pas vu. Et bien sûr, comme c'est un Ender Dragon, regarde, je peux tirer des boules de feu, bah oui. Donc là, je contrôle le dragon, c'est moi. Hein. Donc là, regarde, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va essayer de décoller un petit peu. Alors, viens par là, dragon, comment est-ce qu'on monte? Faut que je trouve comment monter, comment descendre. Alors, c'est en regardant, c'est ça? Ah oui, quand je regarde en haut, il monte, ok, ok. Donc, on va essayer de contrôler l'Ender Dragon. J'essaie de prendre l'habitude, hein. C'est pas facile, je t'avoue. Ok, là, j'ai cassé un healer, là aussi. Attends, on va monter un peu, monte un peu, dragon. En fait, le truc qui est difficile, c'est que il va très vite et on peut pas l'arrêter. Okay, on va casser ça. Donc là, je casse les healers et après on va fight le vrai dragon. Hein. L'autre, parce qu'il y a un autre. Regarde, il y a l'autre dragon là-bas. Je sais pas si t'as vu. Ok, ça c'est bon, c'est cassé. Là-bas, on attaque. Ouais, c'est bon, cassé. Ok, là, je casse aussi. Tire un peu plus haut. Ouais, génial. Est-ce qu'il reste des healers quelque part? Oui, il en reste. Alors, je vais prendre de l'altitude. Il n'y a pas moyen de ralentir le dragon? Non, je pense qu'il n'y a pas moyen. Hein. Ok. Bon, attends, on va fight entre dragons quand même. À l'attaque. Oh là, oh les dégâts. On fait voir. Oh là, oh le fight entre dragons. Oh, oh tellement stylé. Oh, regarde ça. Par contre, ouais, il a la vraie vitesse. Ah là, oh là là, eh, on dirait. Tu vois le film Dragon? Ah bah, on dirait vraiment un combat entre Croque-Mou et d'autres dragons, c'est incroyable. Allez, regarde, c'est moi le roi du monde. Je contrôle l'Ender Dragon. Non, en vrai, c'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Regarde ça, je contrôle le dragon. Alors, il est où le dragon là? Je sais pas où est passé l'autre Ender Dragon. Ah, c'est bon, je le vois. Tout là-haut. Ah, là-bas. Ah ouais. Bon, allez, au combat. Oh, oh les dégâts! C'est ça qu'il faut faire, en fait. Il faut s'éloigner, puis revenir à la charge. À l'attaque. Oh, c'est tellement stylé, ce combat entre dragons. T'en penses quoi? Moi, je trouve ça trop cool, perso. Allez! Allez! Oh, il est presque mort. Il est presque mort. Enfin, pas tout à fait, mais... Regarde ça, le combat entre dragons! C'est trop stylé! Je contrôle un dragon! Et on fight un autre dragon! Non, ouais, c'est incroyable, franchement. C'est du génie! Allez, allez, tu vas mourir. Oui, let's go! Dragon vs dragon, les potes! Dragon vs dragon. Alors, par contre, je sais pas. Alors, je t'avoue, je sais même pas où on est. Ah, c'est bon. Tellement stylé, est-ce que t'as vu ça? C'est incroyable, c'est incroyable, regarde. Et on a gagné, alors, dragon, dépose-moi s'il te plaît. Alors, viens, on va, hop. Petit taxi, hop là, merci bien. Et tu fais ta vie. Vas-y. Bon, il est gentil ce dragon, donc comme ça. T'as vu ça? On a battu l'Ender Dragon avec un autre dragon. Et je passe le portail. C'est du génie, hein, hop, générique. On a gagné le jeu est gagné. Parfait. Voilà, c'était tout simplement, je peux entraîner le dragon dans Minecraft. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner et activer la cloche. Comme ça, tu ne manqueras plus jamais une vidéo à venir. Abonne-toi et active la cloche, c'est très important. Très très important, je tiens à te remercier si t'es vraiment arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et que tu n'as pas manqué une seule seconde de cette vidéo incroyable. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire que t'es bien arrivé jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir et ça montre que t'es un vrai. Très important, je t'invite à regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche là maintenant à l'écran. Tu as deux de mes vidéos à l'écran, clique sur une d'entre elles, comme ça on reste ensemble. On se retrouve directement dans une autre de mes vidéos. À toutes !